Tunisie, le parti Ennahda, arrivé en tête des législatives, doit proposer un chef de gouvernement d'ici le 15 novembre. La formation devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité. En Zambie, le président Edgar Lungu a vigoureusement démenti restreindre la liberté de réunion des chefs de l'opposition. C'était lors d'une très rare rencontre avec la presse à Lusaka. Et puis à Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants sont régulièrement victimes d'attentats perpétrés par le groupe terroriste Al-Shabaab. Et pourtant, la vie continue, découverte dans cette édition. Bonsoir à tous. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives après l'annonce vendredi des résultats définitifs, doit proposer un chef de gouvernement d'ici le 15 novembre prochain. La formation qui n'a obtenu que 52 sièges devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement. Les détails. Lors d'une conférence de presse vendredi, l'instance chargée des élections en Tunisie a annoncé les résultats définitifs des élections législatives du 6 octobre. Selon la Constitution, le président Kaïd Saïd a une semaine à partir de l'annonce de ces résultats pour charger une personne désignée par Ennahda, arrivée en tête du scrutin, de constituer un gouvernement. Le parti doit donc proposer un chef de gouvernement d'ici le 15 novembre. Ennahda, qui n'avait gagné que 52 sièges, moins d'un quart du Parlement, devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement. Mais jusque-là, aucun nom n'a été évoqué publiquement, signe des difficultés rencontrées par le parti pour former des alliances. L'organe consultatif du parti Ennahda, qui se réunit ce week-end afin de se pencher sur la composition de l'exécutif, doit également décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du parti ou à une personnalité indépendante. La personne désignée pour diriger le nouveau gouvernement aura un délai d'un mois renouvelable une fois pour former un gouvernement qui doit être ensuite approuvé par une majorité de députés. À défaut de majorité, à l'issue de ce délai, le président Kaïd Saïd pourra proposer un autre chef de gouvernement. Sur l'île Maurice, la coalition du Premier ministre sortant a largement remporté les législatives, selon des résultats officiels publiés en début de week-end. Pravin Junio tient ainsi la légitimité populaire qu'il cherchait après avoir succédé à son père en 2017, sans passer par la voie des urnes. Après dépouillement vendredi de tous les bulletins placés jeudi dans les urnes, la coalition, l'Alliance Mauricien AM, de centre droit, composée du Mouvement Socialiste Mauricien de Juguenaute et du Mouvement Libérataire, obtient 38 sièges de députés, ce qui lui donne la majorité absolue à l'Assemblée nationale, fixée à 32 députés. J'ai reçu un mandat clair et net à lancer Juguenaute devant ses partisans en liesse, rassemblés dans une école du quartier militaire, une ville de sa circonscription, dans le centre de l'île principale de ce pays, de l'océan Indien. Je serai toujours le Premier ministre de tous les Mauriciens. À travers l'île, et notamment dans la capitale Port-Louis, ses partisans, vêtus d'orange, la couleur de la coalition, sont descendus dans les rues pour célébrer sa victoire. Les leaders de la coalition du centre-gauche, de l'Alliance nationale, 14 députés, et du mouvement militant mauricien, 8 députés, ont, eux, concédé leur défaite. « Je ne m'attendais pas à cette défaite », a déclaré Naven Ramgoulam, chef de file de l'Alliance nationale, qui n'a pas été élu dans sa propre circonscription, tandis que Paul Béranger, leader du MMM, a appelé à respecter le résultat sans amertume. Fort de sa majorité absolue, Juguenaute reste aux commandes de l'île, qui, depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique pour un mandat de 5 ans. Pravin Juguenaute, 57 ans, était en quête de légitimité populaire après avoir succédé à son père, Anorod Juguenaute, en 2017, en tant que chef du MSM, le principal parti de la coalition au pouvoir, sans passer par des élections. La commission électorale doit encore nommer 8 députés parmi les non-élus ayant obtenu les meilleurs scores afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés. En bref, en Zambie, le président Edgar Lungu a vigoureusement démenti restreindre la liberté de réunion.
des chefs de l'opposition. C'était lors d'une très rare rencontre avec la presse à Lusaka, la capitale. Ce démenti intervient alors que les forces de l'ordre ont dispersé la semaine dernière dans un nuage de gaz lacrymogène la réunion publique d'un de ses ex-ministres passés dans l'opposition. Depuis sa réélection en 2016, le président Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérives autoritaires. Son récent projet de réforme de la Constitution, qui renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État, fait également l'objet de vives controverses. Quelques milliers de Maliens se sont réunis en début de week-end à Bamako pour manifester leur soutien à l'armée nationale. Cette dernière a été frappée par deux attaques meurtrières en un mois et reste confrontée aux doutes quant à sa capacité à faire face aux attaques djihadistes. Je soutiens mon armée. L'armée malienne se bat pour sauver le pays où il faut donner les équipements nécessaires aux hommes. Pouvait-on lire sur les banderoles ou les calicots lors de ce rassemblement à l'initiative d'organisation de la société civile. Vêtues de noir, plusieurs veuves de soldats morts au combat se sont mêlées aux manifestants qui étaient au nombre de 5000 selon les organisateurs, de 3500 selon la police. Cette manifestation vient en soutien à l'armée malienne qui vient de perdre, en quelques semaines, une centaine de soldats dans les deux attaques djihadistes les plus meurtrières qu'elle ait essuyées depuis des années. Nous avons organisé cette marche aujourd'hui au nom de la société civile et l'ensemble du peuple malien. C'est pour rendre hommage aux forces armées maliennes. Les événements des dernières semaines ont aussi suscité des expressions de rejet des forces françaises et onusiennes présentes au Mali. Une frange des manifestants a réclamé leur départ ce vendredi. Si vous voyez une femme de militaire en noir, ça veut dire qu'elle a perdu son mari et ça signifie qu'il n'y a pas de paix. Je demande aux autorités qu'elles nous pardonnent. On n'a rien contre elles. On ne défile pas parce qu'on n'aime pas le président ou son gouvernement. Mais on sait qu'on n'a pas de gain de cause avec la France parce qu'elle n'est pas sincère avec nos dirigeants. Ces revers et la dégradation de la situation sécuritaire ont renforcé les interrogations sur la faculté de l'armée à faire pièce aux agissements djihadistes et autres violences auxquelles le Mali est en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers de morts, civils et combattants. Et pendant ce temps, au Burkina Faso voisin, des représentants du gouvernement ont rencontré les familles des victimes de l'attaque du convoi de la mine de Semafo à Ouagadougou. L'attaque a créé un émoi dans le pays, obligeant le gouvernement à prendre des mesures. Mais les parents des victimes sont très amers. Le gouvernement est fortement meurtri par cette situation. Et il a certainement également sa part de responsabilité parce qu'il est responsable de la sécurité de tous les Burkinabés et il se doit d'assurer cette sécurité-là. On dit, mais on vous a dit qu'il est décédé. Est-ce que vous l'avez vu? Quelle confirmation vous avez qu'il est vraiment décédé? Imaginez un peu le stress que nous vivons en famille depuis hier. Personne n'a fermé l'œil. Hier, toute la journée, il a fallu que nous apprenions ça par les donneurs d'alerte. Il a fallu qu'on apprenne ça par Omega. Le gouvernement a mis combien de temps avant de publier un communiqué par rapport à ce drame-là? Combien de temps ils ont mis avant de publier un communiqué? Il a fallu que la mine, c'est ma foi ou c'est quoi, depuis le Canada, qui a sorti une lettre officielle pour faire sortir ce bilan-là, quand même. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de l'aide du gouvernement. Ce ne sont pas des contracteurs. Ce n'est pas des contracteurs du gouvernement. Que le gouvernement reste en dehors, parce que ce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu faire pour mettre en sécurité nos parents-là. Pardon. Nous ne sommes pas contents de vous. Aujourd'hui, tout le monde a la mine serrée. Nous vivons avec les djihadistes là, tous les jours au village. L'amour, ça ne nous dit plus rien. Donnez-nous les corps, nous allons partir enterrer. Depuis hier, presque 14 heures jusqu'à aujourd'hui, l'expertise n'est pas finie. Je me dis que c'est parce que ce sont des négros, des noirs. S'il y avait un seul blanc, à l'heure actuelle, des Canadiens avaient pris des avions pour être à Ouagadougou. Mais jusqu'à présent, nous, on quitte le village, on dévaste les gens ici jusqu'à rien. À Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants sont régulièrement victimes d'attentats perpétrés par le groupe terroriste Al-Shabaab. Et pourtant, la vie continue. La diaspora de retour dans le pays tente de créer de nouveaux lieux de vie. Voici le reportage.
Les jeunes jouent au foot sur la plage du Lido à Mogadiscio. D'autres se retrouvent entre amis pour chanter et manger ensemble dans un parc. Malgré le conflit incessant dans la capitale, les Somaliens cherchent des endroits calmes pour se détendre. Abdulkadir Ibrahim est entrepreneur. En 1974, il se réfugie en Italie pour fuir le conflit. Mais après 10 ans à l'étranger, il décide de revenir au pays pour créer des entreprises. Puis un jour, il a eu l'idée d'ouvrir un restaurant sur un bateau. Quand j'ai vu dans les pays développés qu'il y avait des bateaux avec des bars dessus sur les plages touristiques, je me suis dit que ça serait une super idée de créer un restaurant flottant ici aussi. Particularité du lieu, les clients doivent commander leur repas 2 jours à l'avance, le temps de le préparer car le bateau est trop petit pour une cuisine. Plusieurs restaurants ont vu le jour sur la plage du Lido depuis que le groupe terroriste Al-Shabaab a été chassé de la ville par les soldats de l'Union africaine en 2011 et de nombreux Somaliens sont revenus au pays. Fadoumo vit en Angleterre, elle est venue rendre visite à sa famille pour les vacances. Elle découvre le lieu pour la première fois. C'est super comme endroit et on voit que le pays se développe. Comme vous pouvez le voir, nous passons beaucoup de temps sur le bateau et sur nos belles plages. La plage, un des rares espaces publics de la ville, est devenue un lieu très prisé, ce qui en a fait aussi une cible pour les Chebabs qui continuent de frapper la capitale régulièrement. En 2016, l'attaque contre un restaurant du front de mer a fait 19 morts. Des endroits comme ce restaurant flottant redonnent espoir aux habitants. Mogadiscio est une ville résiliente, où les bâtiments détruits par les attentats suicides sont vite reconstruits. La jeunesse n'a peur de rien et vit en paix. Malgré les tensions, de nombreuses entreprises voient le jour dans la capitale somalienne, créées par des commerçants locaux ou des membres de la diaspora. Le pays tente petit à petit de changer son image et cela fonctionne. Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes étrangères ont commencé à proposer des vols vers la Somalie. Au Bénin, l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes AGECOFIB a procédé au lancement officiel de ses activités. C'était ce samedi à Cotonou. Le bureau de l'association a également démarré l'exécution de son plan annuel de formation. Voici les images. Porté sur les fonts baptismaux le 3 août dernier, au terme d'une assemblée générale, l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin, AGECOFIB, a officiellement lancé ses activités. C'était ce samedi 9 novembre 2019 à Cotonou. Nous avons essayé de définir notre champ d'application. Et comme vous le voyez, notre rôle principal, c'est d'abord comment revoir le secteur de la comptabilité, de la fiscalité en République du Bénin et également dans la sous-région. Ce qui fait que on s'est réunis et on s'est dit, il va falloir qu'on se partage entre nous les expériences, les expertises des uns et des autres. Au sein de l'Association des gestionnaires comptables du Bénin, notre principal objectif se résume en un seul point. C'est le renforcement de la capacité de ses membres. Pour atteindre cet objectif, le bureau de l'AGECOFIB, avec à sa tête Rodrigue Raoul Rustico, a dévoilé un plan de formation dont les thèmes sont choisis en fonction des difficultés rencontrées par les professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez que notre secteur d'activité est basé sur un référentiel. Le référentiel a connu une modification importante. Et il est important déjà qu'on partage un peu ces modifications-là avec nos confrères, avec les amis, avec les membres. C'est le lieu également de lancer officiellement notre plan de formation 2019-2020, où chacun aura le calendrier déjà prédéfini avec les thématiques, avec les masses horaires. Le thème retenu pour le premier d'une série de modules de formation est intitulé « Calcul financier sous Excel, un levier opérationnel ». L'AGECOFIB a également pour but de créer un réseau des professionnels comptables et fiscalistes dans l'espace UEMOA. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.